Go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo React découverte sur Mecha HUD. J'ai fait pour l'opening et là, j'ai trop hâte. On regarde l'opening numéro 1. Let's go! J'espère ne pas être déçu. En tout cas, ça va envoyer du lourd. Oh. Hey, pas mal. Mec, à bras. Oh, par contre, là, il n'y avait pas d'effort. On l'a vu, là. Bon, vous êtes que des outils, carrément. On retrouve vraiment le style graphique de Kill la Kill. C'est-à-dire que c'est sorti il y a 7 ans, ils ont refait. Bah, du coup, ils l'ont fini en fait, parce que c'était juste un poste publicitaire. Enfin, ça me fait penser à Promare en plus de ça. J'espère qu'on va avoir des bonnes OST. Pour ceux et celles qui veulent voir la réaction sans. Le filtre, vous avez un lien qui sera directement mis. Mechanical Arms. Ok, là on a l'opening, ça, il est incroyable cet opening. Je serais obligé de le couper, mais bon. Oh là. Et on commence à avoir vraiment des masterclass hein, qui sortent. Hein. Avec Dadan Dadan qui est sorti là. Oh là. C'est incroyable. La meuf elle rentre comme ça. Ça nous est tous arrivé pour le réveil. En tout cas, ceux qui sont sur le rebord d'une commode, des trucs comme ça. Oh, la livraison en drone, c'est trop bien! Est en train de dormir à côté là.
D'accord. Ah donc pour l'instant il n'a pas son méca, ok. Encore ? Où est-ce que ça peut venir? D'où est-ce que ça peut venir? Il va passer derrière. Oh, voilà, c'était sûr. Tellement prévisible. Bah oui. Le policier, normalement, il est censé l'escorter, il n'est pas censé. Ouais. Allez, allez. Prends l'OST. Oh, ça me fait trop penser à Aubin Racer, abusé. Oui. Et là, on est encore en train de bouffer. OST, elle est pas mal. Trop bien.
Si ça vous plaît, on fera la suite, vous en faites pas. Je vais essayer de faire un truc assez potable pour la réaction. Parce que bon, ils ont mis des restrictions encore plus hautes. Waouh. Après, il y a Twitch, si ça vous intéresse. Je vous mets de tout. Les drones, les oiseaux, ils ont changé, hein. Il y en a d'autres. Échappe en de cet endroit, ok. C'est lui le patron. C'est lui qu'on a vu. Tu vas pour le sang du gamin, non mais aucune pitié. Et du coup, je suppose qu'il peut pas se délier, je pense. C'est comme Ben 10 avec l'homme Matrix. Ah, je ne me souviens pas de ton nom. Compliqué, j'aime bien, j'aime bien. En plus, il est stylé. Oh non, il fait de la peine. Ah d'accord, c'est la portée, ok. C'est pas un jeu. Oh, il a un style. Le mec, il me fait penser à un des mecs dans Pokémon Team Galaxy. Ouais, c'est un gentil, du coup. C'est une gentille.
D'où ça sort? Oui, oh. Elle a un flow. Tu bouges et je te tue. Ah, ah, ouais. C'est marrant que les mechas, ils ont... Les bras mechas, ils ont une conscience. Ça me fait penser à... au chouchou dans Wakfu. Oh. Ah, t'as été trop curieux, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Laisse-moi y aller, attends. Non, non, non. Ah, c'est de bonnes paroles, ça. Oh! C'est pas tendance décidée. Attends, ils vont se battre? Non, pas se battre. Et pour ce mois d'octobre, je suis assez étonné. Bon, s'il y en a qui pourront me résumer un peu les noms des personnages et les mechas, parce que là, j'avoue, je suis juste absorbé. C'est trop omnibulant. C'était un très bon mot. Restez là. Mais du coup, c'est une méchante ou pas? Ah ouais, les potes, c'est que maintenant qu'ils... Ah ouais, c'est 5 heures après, ils cherchent leurs potes. Ah, t'as appelé Alma, c'est ça? Hikaru. Ok, Hikaru, c'est pas assez facile à retenir, Alma. Oh, toi, je te sens pas, toi. Toi, je sens que tu vas te faire... J'en ai marre. Qui a pris mon méca-bras? Me dis pas que c'est Alma qui est à lui. Me dis même pas ça. À moins que ce soit la fille.
Le garçon qui a fusionné avec Alma, le coup. Oh, c'est lui qu'on voit dans l'opening. Je sais pas c'est qui, mais ça doit être un mec important. Tu repars en mission, ok. Et ben on finit sur ça. On finit sur ça, c'est vraiment pas mal. Je suis étonné. Vraiment, très 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 étonné. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. Parce que moi, j'ai trop kiffé. J'étais même absorbé dedans que vraiment vers la fin, bah, j'ai pas compris. Mais du coup, je peux pas savoir si c'est une gentille ou si c'est une méchante. Je sais pas s'il y a un manga dessus pour potentiellement un peu mieux communiquer pour savoir ce qui se passe dans le manga. Sinon, bah, faut attendre. Ça sortira, je pense, tous les vendredis, du coup. Et voilà. Et dites-moi ce que vous avez pensé de l'OP. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est prometteur. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime trop les mechas. À part quand j'ai découvert. Comment ça s'appelle Promare et. Et Darling the France. Mais. À voir. Bon. Allez, moi, je vous dis, c'était Orkonix. À la prochaine pour une nouvelle React. Merci à tous.